Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto dans laquelle je vais vous parler des sites qui référencent les jeux concours. Il existe une bonne dizaine de sites qui référencent tous les jeux concours qui sont présents sur le net et qui les mettent en ligne et ce sont des sites complètement gratuits. Vous n'avez pas besoin de payer pour vous inscrire, vous pouvez accéder à leur liste de jeux concours totalement gratuitement, donc ça c'est super cool. Donc il existe comme je vous disais, il en existe une bonne dizaine, hein, je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, il y a Le Démon du Jeu, il y a concoursdunet.com, toutgagner.com ou encore jeuxconcours.biz. Enfin, je vous le noterai dans la vidéo pour que vous ayez l'écriture exacte. Mais voilà, ces sites sont spécialisés dans la recherche sur internet et le référencement de jeux concours. Donc ils proposent vraiment tous les jeux concours qui sont présents sur internet et dans les magasins ou autres. Et c'est vraiment extraordinaire en fait parce que vous n'avez pas besoin de chercher. Tout est présent sur leur site, c'est vraiment des sites qui sont complets. Bon, moi j'ai mon petit préféré, hein, je vais vous en parler un peu plus tard. Bon, après les goûts et les couleurs, je pense que c'est une question de feeling, vous allez trouver celui qui vous convient le mieux. Mais moi j'ai mon petit préféré, donc je vais vous en parler un peu plus en profondeur. Sachez aussi que la plupart des jeux concours sont réservés aux plus de 18 ans. Bien sûr, il existe des jeux qui sont autorisés aux mineurs, mais quand même, faites attention aux termes du règlement, c'est important. Et c'est souvent aussi limité à une participation par foyer, donc c'est important aussi de respecter ça. Moi, en l'occurrence, je suis super réglo sur les termes comme ça, donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. En tout cas, moi, j'ai bien sûr mon petit préféré, et on va se rendre tout de suite sur le PC pour que je vous le présente un peu plus. Allez, on y va. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur, donc là en l'occurrence sur Google Chrome. Google Chrome très important parce que il remplit les formulaires à votre place, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de rentrer nom, prénom, ville, adresse, c'est beaucoup trop long, tandis que là Google Chrome, hop, il enregistre en fait vos coordonnées que vous tapez habituellement et il vous les propose automatiquement, donc ça c'est super sympa, vous n'avez pas besoin de les retaper à chaque fois. Ça c'est vraiment magique, ça vous permet de gagner un temps fou. Donc pour ma part, je vous conseille vivement d'utiliser Google Chrome. En plus, pour la plupart des jeux, il n'y a pas de bug, tout va bien, donc il est vraiment cool. Alors il y a des sites gratuits et il y a des sites payants. Mais bon, la plupart sont gratuits. Donc moi, celui que j'adore, c'est pour ma part Le Démon du Jeu. Le Démon du Jeu, parce qu'il est super pratique, il est intuitif, il est super bien foutu, et en plus, il y a une communauté de jeux concouristes qui est super sympa, et qui se donne des infos, des conseils et tout. Si jamais vous comprenez pas un jeu, vous avez dans les commentaires des jeux concours, et ils sont toujours là pour vous donner un petit coup de main, donc ça c'est super cool. Donc ce que je vous conseille vivement, si vous allez sur site ou sur un autre, c'est de vous créer un compte, parce que il y a plein d'avantages, ça prend 5 minutes, hein, en 5 minutes c'est fait. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pourrez choisir par exemple de, si vous avez fait le concours, ici vous cliquez sur participer, une fois que vous l'avez fait, vous revenez sur le site et hop, vous marquez participer. Et du coup, vous savez que celui-ci, vous l'avez fait, que vous ne devez pas revenir dessus. Par exemple, si, par contre, si il ne vous intéresse pas, vous cliquez sur marquer sans intérêt, hop, vous avez la petite banderole orange qui se met, et là, vous savez que celui-là, c'est pas votre truc, les lots sont pas intéressants ou ils sont pas dans votre région. Par exemple, si c'est des places de cinéma à Paris et que vous habitez à Bordeaux, bon, ça va pas trop le faire. Donc, ce que je vous conseille, si vous débutez sur le site, c'est de faire d'abord les jeux qui sont clos prochainement. Donc, par exemple, ceux d'aujourd'hui, hop, il vaut mieux les faire tout de suite parce qu'après il sera trop tard, hein. Et bien sûr après vous remontez dans le calendrier, hop, vous faites tout ça et ouais, je vous conseille vraiment de faire ceux qui se clôturent prochainement, comme ça les tirages au sort ils seront bientôt et c'est des jeux que vous allez pas louper quoi. Donc pour chaque jeu concours vous retrouvez une fiche qui se présente à peu près comme ça, avec le nom de l'organisateur, la date à laquelle le jeu a été mis en ligne sur le site et la date de fin du jeu. En dessous vous retrouvez tous les lots qu'il y a à gagner et aussi ce qu'il faut faire pour pouvoir y jouer. Avec les pastilles, vous allez savoir si c'est un instant gagnant
ou encore un jeu où il faut jouer tous les jours, ou bien un jeu où il faut jouer une fois par semaine. Si jamais c'est un jeu avec des questions, vous y retrouvez également les réponses, donc ça c'est super pratique. Et vous avez également une section commentaires pour chaque fiche de jeu. Donc dans les commentaires, les gens échangent des bons conseils, ou s'il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose, il prévient les autres. Un autre petit conseil également, ne marquez pas les jeux concours auxquels vous pouvez jouer tous les jours. Quand il y a une petite pastille comme ça, ça veut dire que vous pouvez tenter votre chance une fois par jour. Et si vous les marquez « participer », lorsque vous allez cliquer sur vos concours non marqués, il ne va plus apparaître et du coup vous n'allez plus y jouer, vous allez perdre des chances pour gagner à ce jeu. Donc ça serait dommage, faites en sorte de toujours les laisser sans marquage. Quand vous avez un compte, vous pouvez rechercher votre nom dans les listes de gagnants ou encore aller voir ce que la communauté a gagné dernièrement, ou si vous trouvez vous-même une liste de gagnants, vous pouvez aller la renseigner. Dernier petit point important, sachez que pour apporter votre contribution et votre soutien au site du démon du jeu, il suffit d'accepter les newsletters sur les jeux concours sur lesquels il y a un petit cœur comme celui-ci. C'est des jeux concours avec lesquels ils sont partenaires, donc c'est le meilleur moyen d'attribuer votre petite pierre à l'édifice et de les soutenir. Donc voilà, je vous ai présenté le démon du jeu un peu dans les détails, mais sachez que tous les sites sont vraiment bien, ils proposent tous les mêmes services. En tout cas pour ma part, je voulais vraiment remercier le démon du jeu parce que ce site m'a vraiment permis de gagner plein de beaux cadeaux, je vous en parlerai dans des vidéos prochaines, mais j'ai vraiment gagné des belles choses grâce à ce site et je voulais vraiment remercier les modérateurs de ce site. David, par exemple, je voulais remercier David parce que ce site fait vraiment, ils font vraiment un travail de fourmi. Ils proposent des jeux concours tous les jours de l'année, mis à part les dimanches et les jours fériés. Donc c'est quand même énormément de boulot de trouver tous ces jeux et de tout référencer et tout. Et voilà, je pense que si on gagne des cadeaux, c'est d'abord grâce à eux. Donc voilà, je voulais vraiment faire un big up et remercier beaucoup les créateurs de ces sites parce que sans vous, vous faites des heureux, quoi, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre un petit peu la mécanique de ces sites de jeux concours. N'hésitez pas à mettre les commentaires, j'espère que ça vous portera chance. En tout cas, vous avez gagné vous aussi des cadeaux. Si vous en gagnez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Hein. Je suis curieuse de savoir si j'aurais permis à quelqu'un de faire gagner un cadeau, même si c'est rien que des places de cinéma, ça serait cool. Et si c'est le voyage, ah, enfin voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.